Ne restons pas dans notre position de dire « Oh, mais j'ai ma religion, moi !» J'ai la religion de mes parents. Alors je veux être comme eux. Toi qui es ici, mon ami, maintenant, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Si tu n'as pas l'assurance de ton salut, alors tu ne l'as pas. De la même différence, si tu as une assurance pour ta voiture, n'est-ce pas? Et puis il y en a un qui vient t'accrocher. Les gendarmes arrivent. Qu'est-ce qu'il va demander? Oui, l'assurance, s'il vous plaît. Si vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, vous êtes en danger, hein? Mais si vous l'avez, voilà, monsieur. Bon, c'est très bien, ça. Ça couvre tout. Mes amis, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu là pour vous soulager. Il est venu là pour vous aider. Il est venu là pour vous guérir. Il est venu là pour remplir le creux qui est dans votre cœur de la naissance des parents. On est né avec un cœur vide. Alors l'homme, il cherche de tous les côtés pour essayer de remplir ce creux, pour essayer de remplir ce cœur qui est vide. Il y a des ronces et des épines qu'on croissait, et ça étouffe la parole de Dieu. Combien de foyers, n'est-ce pas, ils sont des ronces et des épines. Ils sont sous le même toit, ils sont comme deux étrangers. Ils ne prient jamais ensemble. Il y en a souvent un qui dit tout et l'autre dit assomme. Et qu'est-ce qu'ils deviennent les enfants autour? Qu'est-ce qu'ils reçoivent les enfants des parents? Qu'est-ce qu'ils cultivent? Ça peut devenir des délinquants. Ça peut devenir des voleurs. Ça peut devenir des pilleurs, des batailleurs de tout ce qu'on voudra, de tout ce qu'on voit à travers la télévision. Pourquoi leur cœur est vide? Mais voyez qui prie, les deux ensemble. Dieu s'intéresse aux enfants. Et il est dit, instruis l'enfant pendant les jours de sa jeunesse, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera jamais. Même s'il est parti des frères et des copains, Dieu va le rattraper, parce qu'il va s'arraper de son père et de sa mère de ce qu'ils ont déjà demandé à Dieu pour eux, et les ont indiqués à connaître le Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'il y a parfois dans nos églises des foyers disloqués. Ici, à Valence, j'étais monté avec le chapiteau aux places de la Rochefoucauld. Elle a écouté ce message de la parole de Dieu. Elle est venue me trouver. Elle m'a dit, frère, est-ce que je pourrais vous voir ?